Et bonjour à toutes et à tous, c'est ici Célandron pour le quatrième épisode de mon let's play sur le jeu sport saison 3. Et c'est la galère totale. C'est la galère totale, pour l'instant on galère à mort. On n'arrive pas à migrer au nid suivant. Ce qui est très embêtant en fait. Donc là je vais essayer de faire une bonne meute. Est-ce que ça marche? Non, il faut que j'aille à mon prochain nid. On va essayer de couper à travers champ, si on peut dire ça comme ça. Voir si on peut passer par là, vu que l'icône indique là-bas, sauf que le chemin, il doit faire tout ça, en fait. Ok, eux, ils sont pas méchants. Ah bah, c'est pas sympa. Et... attendez, il y a encore un ogre. Ok, l'ogre, il est là-bas. Donc, en fait, j'ai regardé l'épisode de la dernière fois. L'ogre qui venait d'apparaître, en fait, il était en camouflage. C'est pour ça que je le voyais pas. Donc en fait, je me suis fait bien troller par cet ogre. Voilà. On va essayer de grossir un peu la meute. Non, mais ça va pas marcher avec un bébé. C'est vrai que les bébés... ils font du copiage. Enfin, ils copient. Mais qu'est-ce qu'il me suit, lui? Ah, voilà. Faut juste que je m'écarte un peu et que je revienne. On va remplir la meute. Pour être bon en cas de pépin. Voilà, allez, cette fois-ci on y va. Même si je le sens très très mal. Ok, là il y a l'ogre. On se méfie parce qu'il... il vole et c'est jamais pratique quand un ogre vole. Ok, là ça va, ils sont pas inamicaux mais ils sont pas agressifs non plus, ils sont neutres. Coucou. Ouais, en fait passer par la flotte c'était quand même bien plus simple. Surtout qu'il n'y a pas un océan de fou, c'est juste un petit lac. C'était quand même vachement plus simple. En plus, c'est des niveaux juste... ah non, c'est pas que des niveaux faibles. Méfiance. On va sprinter un petit coup. Des ossements. Ça y est! Alléluia! Nouveau nid. Nouveau nid. Donc là, on a gagné encore un peu d'ADN. On va récupérer des éléments. Et c'est là qu'on va s'amuser. Parce qu'on arrive à la fin, il faut récupérer tous les éléments. Donc ça va pas être bien compliqué. On va s'occuper de ce genre de bestioles. De toute façon, là, je commence à avoir faim. Cours, sinon tu vas te faire défoncer. Tac. Ça c'est fait. Ah, miam miam. Alors est-ce qu'il y a d'autres alphas? On dirait que non. Allez, charge. Bon. Coucou. Ah, on dirait qu'il y a une soucoupe volante qui passe. Je sais pas où elle est. Ah, c'est toi? Attends. C'est quoi cette soucoupe volante? Merde. What the fuck? C'est donc une soucoupe volante. Bah c'est... mais what? Ça c'était bizarre.
Ça, c'était vraiment très très bizarre. Bon, là ça va, au niveau de la difficulté, ça va un peu mieux. Tant que je m'attaque pas à des créatures de même niveau que moi, ça va en fait. Mais c'est vraiment bizarre, quoi. Oh là là. Alors là, y a-t-il des os? Il y en a un là. T'es tout seul, toi? Ils sont tous cassés, tes copains? Tiens, c'est barré. Alors, là-bas, c'est du niveau juste en dessous. On va essayer de se les faire. Sinon, on dirait des Noctalies. Ah, mais c'est des Noctalies en plus! Oh mais merde quoi, c'est trop bien fait. Bon, Noctali est un Pokémon, hein, pour ceux qui connaissent pas. Je suis un gros fan de la saga Pokémon. Voilà. Non, faut que je vise la bonne créature. Non, pas ça. Allez, faut que j'en chasse encore un. Attendons, on va récupérer des éléments. Oula, des warriors. Ça par contre, ça fait peur. Y'a pas encore un Octali qui se traîne? Ah, ils sont en train de se battre. Ouh, y'a un bébé Noctali là. Toc, éliminé. Plus que Noctali. Là par contre c'est un niveau faible aussi, ça peut être pas mal. Plus il y a des éléments. Oula. Ah ouais non, je me suis fait défoncer. Parce que je suis tombé au milieu de la mêlée. Allez, relève-toi. J'ai cru que ça avait bugué, parce que ça a tendance à bugger. Merci. Allez, on y retourne. On y retourne. Et on y est presque au bout, par contre. Niveau de la collection, ça donne quoi? Les bouches. Ouais, bah, il m'en manque deux, parce que je sais qu'on peut pas toutes les avoir. Au niveau des yeux. Oh, il m'en manque un paquet, hein. Je pensais en avoir récupéré plein. Là aussi, il m'en manque un petit paquet. Là, les mains aussi. Bon, pas tant que ça, mais il m'en manque quand même encore pas mal. Pareil au niveau des détails. Ça fait quand même un bon paquet de trucs qui manquent. 50 de vie, non. On va aller... Je crois qu'on était parti par là-bas, plutôt. Rock Super Vortex 250. Donc, lui, il est passé au stade au-dessus. Donc, non. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ah, mais c'est des... On dirait des créatures de Half-Life. Est-ce que c'est des créatures de Half-Life? Je sais plus. Le fait est que je suis assez malin. Je suis pas bien placé. Alors, on va faire ça. Toc, on élimine celle-là. C'est surtout lui qui m'embête quoi, il est pas au bon endroit. Ok, on va s'éliminer celle-là aussi. On va se faire défoncer aussi, accessoirement. Ah non, ça va, il s'en va. Ce qui m'embête, c'est que ces créatures de 250 PV, c'est toujours très casse-pied. Ça permet de récupérer de l'ADN quand on est en... On est en mode, bah, on va évoluer. C'est-à-dire dans pas longtemps du tout pour nous. Mais elles sont très casse-pieds à tuer. Il faudrait que je tue celle-là.
Yes! Évolution. En plus, j'avais pas vu, il y a plein d'ossements à côté. Ça y est, je suis devenu super intelligent. Préparez-vous pour la phase tribu. Mais pas tout de suite. J'ai encore plein de trucs à faire. Qu'est-ce qu'on fait? On l'attaque? 246, j'ai 104 PV. Ça risque de pas passer. C'est une grosse créature. Ah si, en fait ça peut passer. Ça va faire un bon paquet d'ADN. C'est 100 points ADN pour votre créature. Et boum! 100 points ADN, ce qui est non négligeable. Ah vache, j'ai presque 600 points d'ADN. Si je veux mettre des bons trucs, là ça va le faire. Faudra qu'on évolue un petit peu parce que. Il y a moyen qu'on puisse bien évoluer. Des éléments. Alors là, il y a un élément. Ah ouais, donc c'était par là que j'avais vu qu'il y avait des trucs. Et des démoniques Zonax bidule là. Sauf que là, bon, pour le coup, on va les déchirer. Si je me rapproche correctement. Là, on a largement assez de vie. Voilà. Encore un alpha. Ça donne pas de... Toc, éliminé. Faut trouver les éléments qu'il y a autour. Donc pour l'instant ça va bien. On va aller voir là-haut. Il y a une espèce inconnue. Bon, faut que je puisse avancer quand même. Faut quand même que je puisse avancer. Ah ah! Il y a encore plein d'éléments. C'est des warriors. Ça, par contre, ça va être chaud. J'ai 104 points de vie, ils en ont quand même 63. D'accord, on s'est assommé tous les deux. Allez. Ça c'est bon, il y a un bébé. Il n'y a pas d'autres warriors. Et je dois encore en chasser 4 hein, pour les éliminer. Je sais pas, ils sont pas là. Et les créatures, ah c'est des alliés. Toujours regarder auprès des nids. Il peut y avoir pas mal d'éléments. Ah ah, là, il y a quelque chose par là-bas. Donc, eux disent rien. Il semblerait qu'on récolte plus d'éléments une fois qu'on est... Une fois qu'on est à notre niveau. Donc, bon. En tuant des alphas, je dis bien. Donc, on va récolter des éléments en mode classique. C'est-à-dire avec ses petites mimines. Alors, ah ah, il avait un cachet. Oh la vache, ces créatures.
Elles sont tellement bien faites. Quoi, tu veux me chercher des crosses? Voilà. Ah si, ça donne des éléments, j'avais pas fait gaffe, mais les alphas donnent encore des éléments. Il faut quand même que je les élimine. Sinon ça va mettre dans le plomb. Donc on va manger un petit coup, restaurer. Voilà, j'ai récupéré des éléments. Tac. Donc du coup, bah, il faut que j'essaie de me battre contre la plupart des créatures que j'ai croisées. J'ai pas trop le choix. Donc allons-y. Celle-là, je suis pas trop sûr de moi quand même. C'est quand même un paquet de vie. Tac. Pose-toi bien. Tente-toi. Voilà, ça passe. Il y a un alpha. Il y a un alpha. J'ai éliminé plein d'alpha, il y en a encore un là. Ah, rapproche-toi. Là, il y a un bébé. Toujours pratique les bébés parce que là, il n'y a plus d'alpha. Eh oh! Ah! En train de me faire défoncer. Viens là, le bébé. Voilà, ça y est. Non mais. Donc on a un paquet d'éléments. Et je crois que je les ai pas tous. Et comme je pense que ça va être un peu longué de récupérer tous les éléments, je vais regarder un petit peu quand même. Donc j'ai toutes les bouches, ça c'est bon. Les yeux, il m'en manque encore 1, 2, 3, enfin... 3 fois 4, 12, il manque 13. Comment 13? Les jambettes, il m'en manque... 14. Les mains, il m'en manque 6. Là, il m'en manque 9. Là, il m'en manque... non, 9. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'était bien 9. Là, il m'en manque 7. Et là... Oula, il manque encore un bon paquet. Donc, ce que je vous propose, eh ben, je vais faire ça en mode accéléré. Allez, c'est parti.
Donc ça y est, je vous reprends, et ben voilà, normalement tous les éléments ont été récupérés, il n'y a plus le petit encart à récupérer des éléments. Alors il reste des trous, mais dans la collection, c'est très bizarre, mais il semblerait que tous les éléments aient été récupérés. Étant donné qu'il n'y a plus l'encart. Bon. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à la maison. Parce que j'ai quand même pas mal vadrouillé. Ok. D'accord. Il y a un poulet sauvage géant. Allez, nous on se tire. On se tire, on va essayer de rentrer. Et on va arrêter là l'épisode. On peut pas sauter dans l'eau. Voilà. Donc j'ai éliminé énormément de créatures, j'ai récupéré énormément d'éléments. Du coup j'ai énormément d'ADN, j'ai 1600 et des patates. C'est tout à fait normal. Allez, on y arrive. La maison. Je crois que je la vois, elle est là-bas. Ça y est, et donc c'est sur cet endroit qu'on va arrêter là l'épisode. Eh bien, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Et puis voilà. Donc, dans le prochain épisode, on s'attaque à la phase tribu. Allez, à dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut à tous!